Aujourd'hui, nous avons lancé un website qui s'appelle Women Power, inclut toutes les candidates femmes pour les élections 2022. Donc, on peut rentrer sur ce website et voir toutes les femmes selon la circonscription. Le but, c'est en fait de rassembler, d'avoir une référence pour toutes les femmes dans la politique libanaise qui sont déjà passées et qui passeront, que ce soit au Parlement, au gouvernement, dans les municipalités et dans toutes les organisations publiques. Les partenaires qui ont soutenu ce projet sont UNDP, EU et USA. Aujourd'hui, nous sommes très fiers parce qu'il y a eu en 2022 150 femmes qui se sont présentées aux élections et 118 ont été incluses dans les listes. Comparé à 2018, il y avait seulement 86 femmes qui ont été incluses dans les listes. Donc il y a une augmentation de 37%. Et ça nous rend vraiment très fiers, étant donné qu'il y a une absence de support de la part du gouvernement libanais, de la part des partis politiques libanaises. Et donc ce sont seulement les femmes qui font cet effort et qui veulent dire « nous sommes prêtes à travailler en politique, nous voulons être là et nous voulons contribuer aux réformes de notre pays ».